Attention, à popoler. Ça fait vraiment plaisir et ça me fait beaucoup mal. Mais avant de parler à mes femmes, excusez-moi, je me mettrai en genoux pour dire merci à un Seigneur, parce que c'est le Seigneur Christ qui m'a sauvé et qui me sauve toujours. Excusez. Eh mon Dieu, mon roi, certaines personnes parlent, certaines personnes prononcent en ville à Bouboulé un mot. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je t'ai donné ma foi, on raconte que je suis mort, mais je te donnerai ma vie éternelle, Père, parce que je t'appartiens. Je suis pour toi, mon Seigneur, Dieu Christ de Nazareth. Mais tant que tu n'as pas décidé de mon sort, aucune personne ne pourra me tuer. Tant que tu n'as pas décidé du jour, de la date de ma mort, aucune personne ne peut décider pour moi. On est pour eux-mêmes, Père. Papa, tu as dit dans ta Bible, quand tu gifles, tu donnes l'autre pour qu'on te régifle. Père, je ne maudis personne. Je ne maudis pas ces personnes qui l'ont fait. Mais Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ça fait 2-3 jours que je ne dors pas. Mon téléphone ne fait que sonner. Ils sont toujours déchargés. On ne me fait que m'appeler, on ne fait que me dire des choses. Abouboulé, tu es mort. Abouboulé, c'est faux, tu es mort, tu caches. Regardez, je suis en train de parler avec vous. Des personnes sont en train d'appeler. Des personnes de partout appellent pour demander, je suis mort, je ne suis pas mort. Attendez, je mettrai. Attendez. Oui, allô? Ouais, Patrick. Oui, c'est Patrick. Ouais, bonjour. Bonjour, papa. Je ne suis pas encore mort. Papa, Dieu n'a pas encore décidé la mort de ton enfant. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis même pas encore mort. Et puis de surcroît, attends-toi à moi parce que je viens chez toi comme ça. Je vais passer chez toi aujourd'hui au magasin. Je vais passer chez toi. Hein? Voilà, je vais venir là-bas. Tu as compris? Papa, il faut raccrocher ton téléphone. Tu me vois tout à l'heure. Merci papa, sois béni. C'est pour dire tous mes amis, mes fans, ça me fait mal. Mais n'ayez pas peur, parce que Dieu n'a pas encore décidé la mort de votre artiste. J'ai dit tout à l'heure, mon Dieu, Seigneur Christ de Nazareth, on peut jouer avec sa vie, on peut parler de sa vie, on peut faire des histoires de sa vie, on peut dire des choses sur la vie, mais on ne peut pas parler de la mort. Ce qui est mort ne peut plus bouger. Un mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Je ne peux pas oser, mes fans, excusez-moi, je ne peux pas oser m'amuser avec ma mort. Je peux m'amuser à raconter des choses, mais qui vivent. Mais je ne peux pas me tuer pour des baisers. Je vais faire quoi avec? Qu'est-ce qui a Abouboulé n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Qui on sait qu'il est faux? Qui ne sait pas qu'il est faux? Qu'est-ce que je recherche dans l'idée des fans? Jamais. Je ne suis pas ce genre d'artiste qui cherche du buzz. Moi, je cherche la gloire de mon Seigneur Dieu. Je cherche la gloire de mes fans. Je cherche l'amour de mes fans. Non, tuer mes fans. Certaines personnes n'ont pas mon numéro. Sont dans des villes, dans des communes, pleurent. Parce qu'ils ont dit à Abouboulé est décédé. Je ne peux pas jouer à ce genre de jeu. Non, Dieu me voit. Et puis Dieu voit ceux qui ont fait. Mais ceux qui ont fait, ils ne savent pas qu'ils ont tué un Satan en moi, peut-être. Qui m'empêchait de réussir, qui m'empêchait d'évoluer. Mais Dieu n'a pas permis que je meure. Je suis sur terre. C'est qu'il est un miracle. Si c'est esprit, si c'est quelqu'un qui me guette, si c'est quelqu'un qui a du mal à me voir sortir, qui a du mal à me voir me débrouiller, que Dieu pardonne. Mais si c'est une connaissance qui est venue d'une autre connaissance, peut-être, que Dieu vous pardonne aussi. Mais mes femmes, je ne peux jamais faire du buzz de ma mort, jamais de ma vie. Je ne suis pas ce genre d'artiste. Je vous dis bien, je ne suis pas ce genre d'artiste.
suis un artiste toujours dans mon coin. Et je resterai toujours dans mon coin. Vraiment, merci pour tous ceux qui m'ont appelé. Je dis bien merci pour tous ceux qui m'ont appelé comme artiste, comme fan. J'ai appris, moi-même j'ai appris le concerné que il y a un accident qui s'est fait. Peut-être la personne a peut-être une ressemblance d'Abou Boulay. Mais même s'il a une ressemblance d'Abou Boulay, que tu dis tu aimes Abou Boulay, je pense que tu peux t'approcher des faits et regarder le visage du concerné mort avant de prononcer quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Mais il y a remarqué que les Noirs, aujourd'hui nous les Noirs, on ne veut jamais voir fond au fond et puis on raconte. Les gens parlent. Aujourd'hui c'est à la une, Abou Boulay est mort. Ce n'est pas une bonne chose. Mort là, ce n'est pas bon. Quand même mort si quelqu'un, ce n'est pas bon. Écoutez, je suis bien vivant, regardez, tout ça là. C'est pas, je dis, c'est génie, regardez. Il vient de me blesser d'aller voir mon sang. Je suis l'homme. C'est l'homme, c'est Abou Boulay. Pardonnez pour l'amour de Dieu. Regardez Ivoire Mix. Votre artiste Abou Boulay, il est bien vivant. Et puis il vivra. Tant que Dieu ne décidera pas sa mort, il ne va jamais mourir. Mettez ça dans votre tête. Merci. Mmh.